Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec une très grande joie car on va faire en fait la suite du précédent soir qu'il y a eu sur la chaîne. Donc si la suite t'intéresse, continue. Je crois que c'était pour décembre que j'ai fait un swap avec Nawel, qui est donc la créatrice du pancha, que ce soit la tête de pancha que tu vois en intro de vidéo ou le pancha en entier que tu vois des fois de temps en temps comme ça quand j'y pense à l'utiliser. Toujours est-il que donc avec Nawel on s'était fait un swap de Noël, sauf que pendant le swap de Noël on n'avait pas réussi à atteindre le nombre d'objets qu'on s'était fixé tous les deux, on n'avait pas réussi à atteindre notre objectif. On s'est dit c'est pas grave, on se reporte, on s'envoie une première partie et la deuxième partie on se l'envoie donc pour un peu plus tard. Et puis au final on avait tous les deux terminé nos achats plus ou moins simultanément et je lui ai dit écoute, tu m'adores, je t'adore par-dessus tout, la fête de la Saint-Valentin ce n'est pas que la fête des amoureux mais aussi la fête des amis, faisons un swap de la Saint-Valentin. Voilà. C'est comme ça que ça tourne dans ma tête. Donc conclusion, nous avons fait un swap de la Saint-Valentin. Moi, le jour où je filme la vidéo, parce que je ne sais pas encore quand c'est qu'elle sera postée. Nous sommes le jeudi 28 février et je l'ai reçue hier. Et elle, je sais qu'elle a reçu normalement au niveau de la Saint-Valentin parce que j'avais vraiment envoyé, je crois, genre le 1er février, un truc comme ça. J'avais fait attention pour une fois de ne pas être en retard. C'est souvent que je dois envoyer des trucs. Des fois ça prend des mois, des fois c'est 3 mois plus tard que j'y pense si on ne m'impose pas une date. Donc toujours est-il, voilà à quoi ressemble cette fois-ci le petit colis. Le seul problème c'est qu'il est déjà ouvert. Pourquoi? Parce que mon papa s'était commandé un truc via Colissimo, que ça c'est un colis via Colissimo. Et donc il a cru que c'était pour lui, il a éventré le truc à coup de couteau, je t'explique pas. Donc en fait j'ai un des trucs qui a été éventré au passage. Merci papa ours, voilà. Et donc on va ouvrir ça tout de suite ensemble. Je vois qu'il n'y a que des trucs emballés. Il y a l'air d'avoir une espèce de lettre. Donc on va faire tout ça ensemble. Non, c'est pas une lettre, c'est un objet aussi. Ok, donc on va sortir les trucs. Ce sera plus simple pour moi de savoir où j'en suis surtout. Voilà. Hop. Il n'y a plus rien. Par contre il y a une odeur, je pense qu'elle a... Elle a dû mettre du parfum dans le... dans le colis parce qu'il y a une odeur qui se dégage. Ou alors c'est qu'elle a mis de la nourriture parce que là je crois que c'est de la nourriture. Alors celui-ci, donc celui qui a été éventré, voilà. Heureusement il n'y a rien eu, mais quand j'ai vu ça et qu'il m'a dit ah en fait c'était pas pour moi, c'était pour toi Ibi, il y a des cadeaux partout. Je lui ai dit d'accord, tu vois, je t'avais dit de faire attention. Et puis lui il était tellement persuadé que ça allait être à lui que voilà. Donc petit mot numéro 1, et justement sans ça ce n'est pas vraiment la Saint-Valentin. Et ce sont des chocolats, c'est évident. Alors le papier cadeau il m'éclate parce que c'est de la masse, la chalfaga. Ah, des chocolats de chez Emma. J'espère qu'ils n'ont pas trop fondu vu que ces derniers temps il y a eu la chaleur. Ah, elle a pris les chocolats, voilà, spécial Saint-Valentin, chocolat lips praliné. Oh putain, elle me connaît. Praliné, c'est ma vie les chocolats pralinés. 180 grammes. Voilà. Je vais être sérieux, je vais le mettre à côté et je le mangerai tout à l'heure. Parce que sinon, N'oublie pas que je t'aime. Bon, je sais pas si on verra trop bien, mais il y a un petit... Elle a dessiné encore des emojis partout. N'oublie pas que je t'aime. Non, ça je le sais très bien que tu m'aimes. Et je t'aime par-dessus tout. Donc c'est réciproque. Oh, bah j'en voulais justement. J'étais en train de me dire qu'il faudrait que je m'en achète. Des stickers. Enfin, des stickers, des post-it plutôt en forme de cœur. Elle a lu dans mes pensées parce que j'étais en train de me dire qu'il fallait justement que je m'en achète prochainement. Heureusement que j'ai pas fait l'achat. Ensuite. Ah. On reconnaît l'emballage des cadeaux de Noël qu'on avait fait pour écrire des mots doux. Ça c'est forcément un carnet. Alors ce qui est très intelligent c'est que j'avais le ciseau et hier je l'ai utilisé dans une autre pièce. J'ai la flemme totale. Ah, génial. Ah, ils sont trop beaux. Je les avais vus, ils sont trop beaux. Oh. Ce sont donc des mini cahiers. Et ça, c'est bien pratique. Surtout en ce moment, j'en utilise plein, des petits cahiers comme ça.
Et il y a trois modèles différents, je crois. Donc j'ai fait une petite coupure tout simplement parce que c'était trop galère à retirer. Donc ce sont trois petits carnets de 80 pages. Voilà. Donc on a celui-ci. Et j'adore l'illustration, elle est trop 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 belle. On a... Ça fait moins Saint-Valentin, tiens. Ça ne m'étonne pas qu'il ait mis au milieu. Mais il est mignon. Et on a celui-ci qui est juste trop trop chou. Bon, mon préféré, ça reste le vert, hein, soyons honnêtes. Mais j'adore aussi celui-là. Et l'autre, de toute façon, il me servira. Donc voilà. Ensuite, on va attaquer avec cet objet qui n'avait pas d'emballage. J'ai un petit peu peur de savoir ce que c'est. Ah oui, d'accord. Ah, génial. C'est... Alors, on envoie en fait en... Sûrement sur Wish. Ce sont des... Je crois que c'est un rangement, mais je suis pas sûre. Je pense que c'est un rangement. Alors, c'est écrit mini cake. Mais je suis pas sûre que ce soit un rangement pour cake. Je pense que c'est un rangement genre de bureau. Là, je pense qu'elle est plus allée dans le côté papeterie que l'autre swap où c'était censé être papeterie. Et au final, elle s'est plus défoulée sur je veux t'offrir des trucs, donc je t'offre un peu de tout. Le truc, c'est j'ai peur de casser. Comment ça s'ouvre? Ouais, d'accord. Ah! Oh! Ça s'ouvre un peu comme les chapeaux de cuisinier en papier. Je pense, hein? Ouais. C'est juste que j'ai peur de casser le truc. Oui, tiens. Oui. On va dire tout simplement que pour l'instant, je n'y arrive pas. J'ai surtout très 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 peur de péter l'ensemble. Et ce serait un petit peu con. Donc, on va juste tout replier. Ah, et on va faire comme si je n'avais pas tenté. Voilà. Je ferai hors caméra. Mais là, ça me fait un petit peu peur. Et puis, comme j'ai pas beaucoup de temps sur cette carte mémoire, j'ai un petit peu peur de me foirer. Ici, on a pour envoyer des bisous pleins de passion. Donc, ça sent le rouge à lèvres. C'est obligé. Il était là. Merci mon ami. Date Night. J'aime bien le nom. C'est le numéro 20. Ah, c'est de chez Emma. Cool. J'ai jamais encore testé la marque Emma. Donc le numéro 20. Je vais le faire maintenant parce que si je me dis, je vous le fais juste après quand on a fini de tout ouvrir, j'ai oublié. Voilà, c'est la même couleur. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Un amour qui précise. Un amour qui précise. C'est quoi? Alors c'est le... Au final c'est quasiment le... Ouais c'est ça, c'est le même cœur que ça. Sauf que en fait, c'est une taille crayon. C'est trop marrant. Le magasin Emma, en fait, pendant le mois de février, j'ai vraiment pas eu le temps de m'en approcher, même quand ils avaient commencé Saint-Valentin un peu avant. J'ai vraiment pas eu le temps quasiment de m'en approcher. J'ai aperçu vite fait, je suis rentrée dans un magasin, mais genre juste le côté papeterie, et j'ai même pas eu le temps d'y rester. Alors, une amitié qui mousse. Ça sent le pain moussant ou un truc comme ça. Le savon en forme de cœur. Je vois une forme de cœur. Je pense que c'est un savon en forme de cœur. Oh, c'est trop mignon. Ah, c'est ça qu'il sentait du coup. Bah oui. Mais oui. C'est obligé. Oh, il est trop beau. Ah, voilà aussi pourquoi ça a senti. Parce que le plastique sur le côté. Je sais pas si on voit là, mais en fait, le plastique s'est ouvert. Oh, il est trop mignon. C'est quoi? Savon. Oh. Je vais le garder pour l'an prochain, pour la Saint-Valentin. Pour le mois de février. Je vais le mettre dans une boîte pour éviter que l'odeur parte. Oh, ils sont trop beaux. Et puis il est trop mignon avec ses cils. Ses petits cils. Et le dernier pour la fin qui est assez lourd. Oui, je l'ai.
Je bats jusque dans. Je bats jusque dans le bain. Ouais, c'est ça. Là, c'est par contre. Là, c'est une bombe de bain ou un pain moussant, un truc comme ça dans, en forme de cœur aussi. Oh, c'est trop mignon. Ah, il est trop chaud. Oh non, moi, tu vas. Bon, je vous reprends sur une autre carte mémoire. Pour terminer donc ce swap, on avait donc la fameuse bombe de bain en forme de cœur donc de chez Emma. Et c'est génial parce que honnêtement, j'ai jamais pris le temps de m'intéresser aux produits bains, etc. de Emma. Parce qu'il faut savoir déjà que je teste la marque Lush et que j'ai voulu vraiment m'y intéresser de plus en plus à la marque Lush, etc. Et les produits Lush sont quand même assez chers, faut compter à peu près 6 € un bain. Et j'ai vu qu'à la carterie aussi, il y avait d'autres produits de bain, mais c'est à peu près les mêmes prix. Donc du coup j'ai jamais le temps en fait pour tester autre chose que du Lush. Donc n'hésitez pas à me dire justement si la marque Emma en produit de bain, dans son bon de bain, ça vous intéresserait ou pas que je les teste. J'ai vu aussi que Claire's avait fait normalement des bombes de bain spéciales pour Noël et qu'au final ils ont décidé de, je crois, l'inclure en collection permanente. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez du Emma ou du Claire's en bombe de bain. N'hésitez pas à mettre ça. Je vais mettre 2 commentaires. Je vais te mettre un commentaire Emma. Il suffira juste de mettre un pouce positif ou un pouce négatif. Et pareil pour les bombes de bain de Claire's. Tu mets un pouce positif ou un pouce négatif. Ça me servira de sondage. Voilà. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura fait. Oui, tout mon cœur. Et qu'elle t'aura fait passer un bon petit moment. Nawel, je pense que tu le sais déjà, mais merci bien entendu pour ce colis. Et aussi, je t'aime énormément. Je vous retrouve donc bientôt tous pour une nouvelle vidéo. Et je te retrouve aussi très vite pour un nouveau swap. Mais par contre, je pense que ça sera donc sur la chaîne Ibi Otaku. Voilà, sur ce, à bientôt. Génial, je sais pas si tu verras, mais là et là par exemple, là c'est un chocolat au lait, là on est sur un chocolat noir et donc on a un chocolat blanc. Donc on a un petit assortiment. Moi personnellement je n'aime que le chocolat noir, mais t'inquiète pas, je sais qu'il y en a certains qui mangeront les autres.